Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cette session d'information. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP a 5 ans d'existence. Le parti au pouvoir s'apprête à fêter cet anniversaire. Et le président par intérim Simon Compaoré était face à la presse ce matin. La célébration de cet anniversaire va se décliner en plusieurs tableaux dévoilés au cours du point de presse. Ce sera aussi une occasion pour les militants du MPP de jeter un regard rétrospectif sur la marche du parti, d'établir un bilan partiel de la gestion du pouvoir d'État et de faire des projections sur le futur proche de la vie politique de notre pays qui se profile, à savoir les prochaines consultations présidentielles et législatives de 2020, dira Simon Compaoré pour conclure. Et puis cette année encore, les producteurs de tubercules de la Sicile ont organisé avec succès la journée promotionnelle de tubercules à Léo, le chef-lieu de la province. L'objectif étant de rendre plus rentable cette spéculation qui contribue à la lutte contre la pauvreté. Cette année, le thème porte sur quelle stratégie pour la promotion durable des chaînes de valeur de tubercules dans la Sicile. Un thème qui interroge et interpelle sur le rôle des acteurs directs, la durabilité, la production, la conservation, la transformation et l'accès à un marché stable. Et puis le chantier de construction de l'usine de coton bio avance à Koudougou dans le centre-ouest. L'usine va ouvrir bientôt ses portes pour la transformation du coton bio. C'est le fruit d'une coopération entre le gouvernement burkinabé, l'Union nationale des producteurs de coton et la Sofitex. L'usine va contribuer, selon ses promoteurs, à la création d'emplois dans cette partie du Burkina. De son côté, le ministre de l'Eau visite le barrage de Salé en construction. Le chantier est situé dans la commune de Pabré. Nuga Amboise Ouedraogo est allé s'imprégner des travaux en cours. À terme, la construction du barrage va permettre d'augmenter la production agro-silvopastorale dans cette localité. C'est un projet qui entre dans le cadre du programme présidentiel. Et puis pour terminer, le Parlement égyptien a approuvé ce jeudi l'examen d'une série d'amendements constitutionnels qui permettra entre autres au président Abdel Fattah al-Sisi de se représenter à la présidentielle après son deuxième mandat en 2022. En séance plénière, 485 députés sur 596 ont voté en faveur de l'envoi de ces amendements à la commission législative du Parlement qui devrait ensuite élaborer un texte pour un vote final en séance plénière selon les chiffres officiels. C'est tout pour ce flash, je vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programme, au revoir.